Salut YouTube, alors je sais pas si on m'entend bien. Je suis au milieu d'un campus, en train de me filmer et de parler toute seule à ma caméra. C'est très spécial comme sensation. Et donc en fait, je viens de récupérer cet appareil, le Kief 6C que je ne vous ai pas encore présenté et qui était en réparation, enfin l'objectif était en réparation. L'objectif c'est un Beja 125 2.8/90, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est un 125mm ou un 90mm, je pense que je dirais 90. Bref, et c'est un appareil ukrainien et je l'ai acheté au mois de juin de l'année dernière. J'avais connaissance du fait que la bague d'ouverture ne fonctionnait pas, elle tournait dans le vide. Je l'avais confié à Mia qui avait essayé de le réparer une fois, puis c'était rebloqué, elle avait tenté une deuxième fois et c'était rebloqué encore. Du coup je l'ai confié à un professionnel qui fait de son travail la réparation de vieils appareils tels que celui-ci. Et je le remercie. Et voilà, l'objectif est désormais réparé. Normalement, il ne devrait y avoir aucun souci. Donc c'est ma première sortie depuis avec cet appareil. Je suis contente de pouvoir faire du moyen format. J'avais hâte. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu en faire. Et j'avais jamais vraiment pu exploiter le format, on va dire, assez pleine possibilité. J'avais testé récemment le Roléflex de David, mais bon, c'est pas pareil quand c'est pas son appareil. Donc là j'ai mis un rouleau de HP5+, on verra ce que ça donne, et puis ben voilà. J'espère que ça ira. Bon, allez, on y retourne. Là, on voit la bague d'ouverture qui ouvre de 8 jusqu'à 22. C'est pas magnifique. Alors, il n'y a toujours pas l'écran, hein. Ça tourne un peu dans le vide. Enfin, pas complètement dans le vide du coup, puisque ça ouvre et ça ferme. Mais il n'y a pas de crantage. Mais bon, ça, c'est pas gênant en vrai. Voilà, sur cet appareil. On a les vitesses ici. J'ai la possibilité de mettre des piles pour avoir une cellule intégrée. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que en fait, il faut des piles plus un adaptateur de piles. Et les frais de port coûtent aussi cher que l'adaptateur. Donc je ne l'ai pas commandé. Je me débrouille avec une application sur mon téléphone. Et voilà. Ça fonctionne comme ça. On a le déclencheur ici.
qui s'utilise avec la main gauche. Du coup, donc, où en étais-je? Le déclenchement de l'appareil se fait avec la main gauche et le réarmement. Et donc, en soi, l'appareil se prend en main assez facilement. Il y a juste son poids qui est un peu élevé et qui va, on va dire, se faire sentir au fil des photos. Surtout quand on le porte autour du cou, ça tire pas mal, ouais. Ça tire pas mal sur les cervicales. Autrement, on a le viseur qui se fait grâce au miroir, qui est hyper pratique. On peut aussi choisir de l'enlever et de mettre un viseur poitrine, qui pour certains plaira plus, mais c'est une autre pratique. Et là, dans ce cas, on n'a vraiment pas le choix, il faut passer par une cellule externe. Là, on voit bien tout le système de miroir. J'ai pas le viseur poitrine qui va dessus. En gros, il se clipse, il s'ouvre et ça fait des caches tout autour pour pouvoir avoir une bonne vision. Celui-ci me convient très bien. Hop, même s'il pèse son poids, en plus de l'appareil, il est quand même fort pratique. On va dire, pour cadrer, c'est déjà un bon outil. Après, c'est vrai que cadrer avec un viseur poitrine, l'appareil est plus près du corps, du coup c'est plus facile à soutenir. Mais bon, pour l'instant, ça me convient comme ça. À part ça, ben, comme vous avez pu le remarquer, il fait des photos qui sont carrées, donc format 6 par 6, ce qui nous fait un total de 12 photos par pellicule. Ce qui est peu et en même temps pour du moyen format c'est quand même correct parce que ça pourrait être moins, ça pourrait aussi être plus mais voilà, le format carré c'est vraiment particulier, c'est une pratique à part entière, c'est un cadrage différent, c'est avoir un coup d'œil différent, observer différemment les lignes, les formes
Et c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de pouvoir explorer ça avec le temps et tester beaucoup de pellicules avec ce format-là. Pas forcément cet appareil-là spécifiquement, mais avec ce format-là en tout cas. Et quoi d'autre ? Bah c'est pas mal déjà.